Bon, le stage, d'ailleurs, dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale féminine aux prochaines échéances internationales, qui sont le tournoi de l'UNAF prévu au mois de décembre, mais aussi les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui auront lieu en 2016 au Cameroun. Donc voilà, d'une manière générale, donc c'est le deuxième stage, donc nous sommes dans la première phase de préparation, afin de permettre aux joueuses d'avoir une base athlétique intéressante pour la suite du travail à accomplir. Comme dans toutes les équipes, il faut bien qu'il y ait renouvellement des effectifs. Et ça a été pour nous une occasion de revoir un petit peu toute la composante de cette équipe nationale féminine A, à partir du moment que nos joueuses U20 participaient à deux matchs internationaux contre le Burkina Faso. Donc ça a été aussi une bonne occasion de les préparer à aller à la compétition internationale, mais aussi de les faire participer contre des adversaires de bonne constitution physique. Et à partir de là, on a pu quand même avoir six joueuses U20 qui sont maintenant dans l'effectif de l'équipe A aux échéances internationales, et ces jeunes joueuses qui arrivent comme ça. Donc tout ça ne peut que bonifier l'ensemble. Donc nous partons du principe qu'il faut continuer à travailler, à former ces joueuses pour le moyen et le long terme. Donc tout ce qui est court terme, je pense que nous restons dans la même optique, c'est que nous nous fixons toujours des objectifs. D'abord, on joue pour s'améliorer, pour s'aguerrir, pour se frotter à des équipes africaines qui sont très intéressantes. Mais aussi, nous nous fixons des objectifs, parce que nous mettons aussi de la pression sur nous-mêmes. C'est que on se fixe toujours comme objectif, c'est d'aller arracher le billet de la qualification à la CAN. Club FC Constantine, joueuse internationale, senior. Tarbos Adabia, on a préparé d'une manière générale, d'une zéro. On a bien préparé au niveau de Nahar ou Ranhar. Inch'Allah, décembre, il y a 9 et qu'on a dit, ou les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, en janvier, Inch'Allah, on a mis le jour. معنا نشوف يا بلي ما لقاوش بروبليم معنا الادابتاسيون كانت فاسيل ليهم حنا عطينا لهم كيما نقولوا سوتيان مورالي تو كانوا معنا بيان وما ان شاء الله ما لقاوش صعوبات ثاني معنا انا حاجه اللي متمنيت ها نشوف لكم دافيك ان شاء الله ان شاء الله تما ان شاء الله نقعد هنا مع لي سينيور ان شاء الله ندخل في الجروب لو بيت تاعنا ان شاء الله نشرفوا الاعلام في اليوناف اللي حيكون ان شاء الله في المغرب ان شاء الله بين لي بياغا ان شاء الله مدى بين الجزائر توجور هي على اوتور وان شاء الله كاليفي لا كوب دافريك 2016